Bonjour à tous et à toutes, c'est Kunz pour un nouvel épisode, l'épisode 27 de Resident Evil 4 en compagnie toujours et encore de Super Beyond 10. 10. Voilà. Ça va? Bonjour les gens. On Bonsoir les gens. Bon, le soir. Et maintenant c'est toi qu'on entend loin. Je disais bonsoir les gens. J'ai un écho dans. Ouais, je te rappelle que c'est normal. D'accord. Ne t'en fais pas. Donc là, je vais faire. Ok. T'es toujours. C'est toujours nécessaire. Hein? Non, non. Bien sûr que si. Y a pas de jeu, y a pas de mini-jeu là où on est. Si. Non. On s'est arrêté juste devant le mini-jeu. Et on se trouve. Attends. Alors petit rappel, si comme vous, comme Super Bignon. Attends, je viens de découvrir ça, je vais m'amuser tout le temps avec. Bon, donc je vais vous rappeler un peu où on est. Un petit fake de début de vidéo. Donc on vient de tuer le bras droit. Ah oui, d'accord, ok, ça va. Autant pour moi, oui. Je croyais qu'on était un tout petit peu. Plus loin, ouais. Et après, j'ai me suis acharné sur le vendeur. Oui, oui, exact. Je sais pas pourquoi, je pensais déjà qu'on était aux ruines, alors qu'on a d'abord quelque chose à faire avant. Ouais, comme tuer Salazar. Ah, non, non, mais les ruines, c'est avant Salazar, de toute façon, mais... C'était plus loin. J'ai plus du tout à observer. Enfin, plus trop. J'ai pas pris le réveil, donc je vais prendre le réveil. Ouais, vas-y. Donc ça sera un petit épisode juste pour montrer le stand de tir. Donc comme à chaque fois, j'en ferai un ou deux. Puis après, je vais continuer l'histoire. Ouh la chute. Ça commence bien. On va essayer de finir la colonne C. Ouais, la colonne C. Non, on entend de très loin là. Je sais pas si dans la vidéo ce sera le cas. Non, non, c'est la triche. Bon. Ouais, donc on se retrouve une fois que j'aurai fini ceci. Re tout le monde. Ouais, je viens de le finir. Ouais. Je suis assez content de moi parce que je l'ai fait que en deux coups. Après la vidéo. Donc ça fait un 3 coups. La rangée C rapporte donc 35 000. Hein, ouais. Aux états. Donc, j'ai pas très bien dit. Pas même bien. Welcome. Bon. T'as fait taper le billard, comme dirait l'autre. D'ailleurs, il paraîtrait que c'est un infecté qui est dans le noir, les yeux rouges, le vendeur. Tu confirmes? Difficile de confirmer parce qu'on on n'en sait rien, en fait. On ne sait vraiment pas qui il est. On n'a jamais su son identité. Pour moi, c'est un lapin blanc, quoi. C'est comme... Voilà, c'est pas un truc original pour acheter des armes, en tant que personnage, et vraiment une importance quelconque dans l'histoire. Donc là, je vous montre les différents trucs. Ok, voilà. Mais c'est ça qui est un peu dommage, c'est que comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, il n'y a pas beaucoup de boss. Voilà quoi. Tu vois, je suis très bien. Alors, je sais plus si.
On est dans les sous-sols. Tiens, on pourrait peut-être parler un petit peu des filles. Ouais, voilà, j'y allais venir. Donc, j'ai déjà fait paraître sur Facebook, mais depuis 3 semaines. En tout cas, ce que YouTube dit. Patrick, aujourd'hui, donc, à mon avis, dans la semaine, j'ai atteint les 40% de vues féminins. Je voudrais vous remercier. Je sais pas d'où vous sortez, parce que en 3 semaines, 40 vues, ça représente 300 vues, alors que je suis encore qu'une petite chaîne. Donc, merci à vous. Hein. C'est toujours plaisir. Ouais, mais ça c'est normal. Hein. J'ai même vu un qui a 1500 abonnés et ses vidéos sont vues quoi 200-300 fois. Donc, le nombre d'abonnés que tu as pour le moment, c'est tout à fait c'est assez sympa d'avoir autant de vues déjà. Oui, non, ce que je veux dire, c'est tout simplement à propos des vues féminins parce que 40%, alors franchement, c'est pas. Ouais, mais ça c'est grâce à moi, c'est grâce à ma voix sensuelle. Ouais, voilà, tu les atterris. Si je dis un peu n'importe quoi. Non, c'est pas très grave. Voilà, une shot. Et en plus de ça, ça l'a calmé. Lui là-bas. Ne le tue pas maintenant, parce que sinon. Sinon. Enfin, sinon. Là, je suis dans. Il a remis son camarade. Il faut descendre. Ah, je t'entends pratiquement plus, mais bon. T'es toujours là? Ouais, ouais, je suis toujours là, mais j'entends beaucoup la musique qui est assez fort. Je rappelle que je suis désolé pour la musique. Voilà quoi, je ne parle pas quand il y a beaucoup de musique, étant donné que là, j'ai remarqué sur les vidéos, on entend un peu moins le son de nos voix quand il y a beaucoup de musique. Donc là, je disais, tu peux déjà descendre, mais ne tue pas celui du fond, puisque s'il te donne quelque chose, tu vas pas pouvoir. Ah. C'est pas ça. Alors, on va jouer au sniper. Alors, attendez, j'essaie de trouver des touches pour pouvoir zoomer. D'accord, je sens plutôt. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon bah, je ne serai pas. Donc, si je vise très mal, je suis désolé, mais comme je vous ai dit, je vais utiliser le joystick. Et je suis pas du tout habitué. Je suis habitué à la Game Boy, moi. Ce que je me demande, c'est à quand pour retourner un peu dans ton inventaire. Quoi? Retourne un peu dans ta mallette. Oui. Bah t'as pas acheté la lunette du fusil en fait. Ouais, c'est pas faux. Donc peut-être qu'en l'achetant, tu aurais peut-être un zoom beaucoup plus proche. Tu te rembleurais moins. Pourrais y penser. Franchement, le zoom, j'ai pas l'impression de. Non, on va pas par là, fais d'abord descendre le petit chariot. Ok, nice. Là, tu vas faire le chemin pour rien. Faut d'abord faire descendre le petit chariot. Franchement, je ne sais plus trop ce qu'il fallait faire. Je sais qu'à un moment, d'accord. Il va avoir deux gigantés. Elle gigantée. Ah oui, mais tu vois c'est ce truc là qu'il va falloir retourner pour activer, mais d'abord tu dois faire descendre un petit chariot avec de la dynamite dedans. Je suis un peu
très fatigué, donc si je dis n'importe quoi ou que je parle pas beaucoup, on va dire que c'est normal. Vous avez pu voir que le signe de la secte c'est tout simplement un pagas. J'ai pas de conneries en disant ça. C'est d'ailleurs le retour des paysans ici qui sont dans les sous-sols parce que c'est là qu'ils les ont trouvés. Ils étaient enfouis sous la terre depuis je ne sais combien de temps. Ils étaient momifiés mais qui créaient des sports. Ils s'est transformé en sport et qui ont repris le contrôle. T'entends très mal hein, avec la musique pour l'instant je t'entends pas bien. Ok, je crois que ça va plus pareil. C'est tout ? Il disait quoi ? Non, tiens, je me demandais ce qu'il nous reste que tu veux. Attention, il y en a derrière toi. Je sais si elle me retourne. Enfin la paix. Je sens que non. Ouais, pour tirer le levier. Ouais, je sais. Ce que je comptais faire, vous me faire attaquer, mais peut-être je vais. Tiens, j'ai des comptes sur la vidéo en rouge. C'est normal. C'est simplement Fraps qui affiche les nombres d'FPS et quand ils sont en rouge ça veut dire que ça filme. Quand ils sont jaunes c'est que ça filme pas. Ah quand c'est jaune c'est que ça ne filme pas. Quand c'est rouge. Ah d'accord. Ah, okay, ouais. Combiné. Prends des choses. Il y a de ces boucans dans cette mine. Ah ouais. Alors pas du tout. Je me suis nommé des grenades. Il t'a rien donné le bonhomme, ça c'est con. Ouais. Mais ça j'aurais pu le tuer. Si je voulais parler des fréquences de vidéo, je pense faire deux vidéos de week-end allant de 20 à 40 minutes. Tout simplement de résident civil. Pendant les vacances, peut-être une vidéo tous les 2-3 jours. Je vais parler en avec le menu pour se ranger. Ça ferait une bonne excuse. Ouais, donc 2 à 3 pour
l'espèce sur donjon siège, je fais quand j'ai du temps libre, donc ça sera pendant les vacances ou si vraiment j'ai un week-end on tourne assez vite et que j'ai le temps de mettre une vidéo en ligne. C'est un peu votre hein. Là t'as pas le magnum en fait, tu l'avais revendu. Ouais, j'avais revendu le magnum. Ouais. Bah là en fait c'est là que tu utilises. Faut des 2 gigantes parce que ça va te coûter du bonbon en mission. Voilà. Non, pas tellement. Ouais tu vas. Je pense que de mémoire, évidemment c'est un mode facile, d'accord, mais. Bah déjà en c'est normal, il faut un nombre de munitions incroyable pour tuer le deuxième. Bah déjà entendu bien avec le mécanisme. On va grimper le reste de ma chaîne un peu plus tard. Attendre que ça se referme. Je pense qu'on peut aller dans le temps. Mais surtout pas s'approcher du bord pendant qu'il n'est pas refermé, sinon tu risques de te faire rattraper par celui qui est en train de brûler. Ah ok. Donc voilà, là normalement t'es tranquille, mais je serais curieux de voir le nombre de 8. Diable.
te dis pas. Oh là là. Celui-là. Soigne-toi parce que si jamais t'attrapes. Ouais. Je passe, je pense qu'on va y arriver. Là, je pense que ça marcherait ça fait pas dessus. Les grenades aveuglantes. Oui, les grenades aveuglantes peuvent l'aveugler effectivement, donc c'est plus facile pour le viser. Mais pour le plagas, ça ne marche pas. Ça ne détruira pas son plagas. Qui est dans le jeu. Au lieu de monde, ouais. Ah non, c'est trop. Pourquoi je pensais que c'était une autre touche. Je t'entends pas très bien, donc ne t'étonne pas si je réponds pas, je t'entends en temps, ça saccade, et avec la musique et tout ça, c'est. Ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui. C'est le problème.
Avec le striker, faut vraiment tirer tout près, quoi. C'est fait de loin. C'est parfait. Pas trop près. Pas prêt à ce point là. Chargé qui a qu'on nous attrape, il y a une petite cinématique comme là, ça vous recharge automatiquement. On va essayer d'économiser des munitions, peut-être de l'autre. Mais comme je le pensais, t'es en train de dépenser énormément de munitions, quoi. Les grenades et moi sauf. Normalement c'est la dernière. Ouais. Ouais. La terre. Voilà. C'est vrai que j'ai utilisé pas mal de munitions. Ouais, je te dis pas en mode pro, hein, c'est le double quasiment. Même avec le Magnum, je crois que je dépensais toutes mes munitions de Magnum dessus. Il était encore en vie, quoi. Mais ça va, t'avais quand même une bonne réserve de munitions de fusil à pompe. Donc il t'en restera quand même pas mal. Mais il faut savoir que avec ce qui nous attend ensuite, les balles de fusil à pompe sont quand même nécessaires. Parce qu'on va retrouver de vieux amis. Fusil à pompe encore, ça va, j'ai juste pas trop en ce moment parce que j'ai, il va pas trop me faire envoyer. Ouais, mais ici, dans ce qui va suivre, tu vas devoir l'utiliser aussi. C'est pour ça que c'est toujours conseillé d'en avoir quelques munitions à pompe quand même de réserve. Ouais. Puisqu'on va retrouver nos amis que tu aimes bien. C'est-à-dire ? Les insectes. Ah ouais. Quoique, je l'ai fait au pistolet. Dans les grottes, au moment où tu vas activer les lumières, ils viennent par dizaines. Ah ouais, je sais. Attention, avec le pistolet, ça va être dur. Non, c'est pas, je gère. Il suffit juste de... De toute façon, j'ai plus les yeux, je suis assez riche. Juste que j'arrive à bien viser. Et que les balles les touchent. Là, l'astuce, si ceux qui n'auraient pas rempli la lance d'artillerie manquaient la couleur bleue, c'est de pas les faire tomber dans le vide pour espérer avoir une bleue, quoi. Ouais, ouais. Et toi, tu les as eu. Mais c'est pas vrai. C'est des ninjas. Bon. Je vais me recharger. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'il m'a pas bien de monde. Et c'est quand tu tombes dans le vide, il meurt d'un coup, quoi. C'est ça qui est. Ouais, quand sympa ils sont en train aussi de voler, c'est vrai que c'est sympa. Généralement c'est des monstres assez durs, ça permet aussi de... De les faciliter. Ah oui d'accord, il y en a un dans le fond, j'avais pas vu. Ah non, moi j'ai... Je fais mon sniper au pistolet là. Mais c'est surtout quand tu rentres dans la grotte pour activer les lumières qu'ils arrivent par dizaines et... Ouais. Là je te conseille le pompe. Bah après si je fais n'importe quoi, quand je l'ai fait j'ai pas pistolet, j'avais réussi à
pas gaspiller mes balles en faisant des tirs en l'air. Pas comme maintenant. Alors que là, c'est vrai que je sais pas pourquoi je le galère autant. Je regarde si on, j'en vois pas. Trois qui traînent. Soit il y a des petits trucs cachés dans le décor, mais pas beaucoup. C'est ça qui est dommage. Un envoi là-bas. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une réserve de munitions avec eux quand on arrive là, et avec le Hulgigant d'avant, c'est pas facile d'économiser des munitions pour arriver là. Ben déjà réussir à bien tirer. Ici donc fais attention hein, quand tu auras allumé la lumière. La première lumière, parce qu'il y en a deux à allumer. J'aime assez bien ce. Ce endroit. Active la lumière. Là, j'ai un petit lac, c'est pas génial. Là, par contre, on peut voir que je suis pas mou avec les missions. Pas d'autres qui ont pas à... Pas mal, parce que je croyais qu'ils allaient être plus nombreux que ça. Bah j'en avais, quand même 5 hein. Ouais ouais, mais je pense qu'en mode normal ils sont au moins le double, pour ne pas dire le triple. Ah, ça, ah oui, je vais parler du reste. Donc j'avais prévu normalement de faire une série sur les gestions stratégie. Je voulais présenter, faire une petite partie avec les amis du site de ma classe. Ah, c'est ça. Peut-être aussi d'autres séries avec d'autres personnes. Un jeu en mode coop. Quoi? Un jeu en mode coopération, c'est ça? Ouais, des jeux, des trucs assez en multi, parce que c'est toujours sympa d'être plusieurs. Un certain jeu, c'est pas vraiment évident. T'as l'intention de faire le Raccoon City là, qui va sortir au mois de mars, en mode coopération? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je verrai. Je fais une déjà. Voilà. Si je loupe 2-3 trésors, non, il n'y a pas de trésor là. Peut-être une munition à gauche et à droite, moins de TMP que tu n'as pas. Et donc, on a remarqué qu'ils n'ont pas donné de petites médaillons bleus. C'est pas grave, t'as donné que quelques-uns sont tombés dans le vide. Ça confirme là, ce que je disais quand on n'a pas rempli l'enfantillon, mieux vaut ne pas les faire tomber dans le vide quoi. Et ici on les a remplis donc Oula mais... Voilà. C'est pas possible. Les miches devraient les attendre qu'ils viennent vers moi, ça serait plus rapide. Ah bah voilà, une bleue. Ah bah tiens, bah décidément. Alors là, je suppose qu'on va avoir un épique fail. J'ai oublié ça aussi. Attention les amis. Préparez-vous. Il y a le mec qui descend pas assez vite et il se fait coincer les doigts. Voilà. C'est assez facile à passer, mais... Il y en a beaucoup qui se précipitent et qui scrunchent. En fait, non. Pas
bien sûr, si tu t'as pas trop le choix. Impeccable. Alors par contre, je sens... pas parié une pizza. Ah oui, c'est vrai, les pizzas. Ouais, c'est ce truc là qui se combine à la couronne. Ouais, voilà. On est à un troisième objet. Non, je crois qu'elle sera remplie. Si elle fera 48 000 pesetas, c'est que c'est bon. Non, il y a je crois que la couronne, c'est bizarre parce que il y a que deux trucs à combiner dessus. Non, regarde, il y a. Il y a trois. Je pense que c'est bon en vérifiant, en observant. Ouais, il y en a trois. Ouais. Il y en avait déjà un qui était incrusté dedans, je pense. Non, non, j'en ai incrusté trois en live là. Ah bon? Ouais. Et là, on arrive à la fin du chapitre. Ouais. 51, ça m'étonne pas. 15 morts déjà. Ouais, plus que 5, hein. Bah, 7, vu que la dernière fois, on n'avait pas compté les deux morts, parce que. Vu que c'était les bonnes réactions. Donc, on va dire 22. Donc là, on va arriver, comme vous voyez, la petite image dans les wagons. Et voilà, le plus dur, c'est la commande réaction. J'ai galéré pendant 2-3 heures dessus. Bah en fait dans ce passage là avec le wagon, l'arme la plus efficace c'est le TMT. Et il faut essayer de faire tomber les paysans avant qu'ils ne sautent dans le dans les wagons. Non mais le wagon ça va, en plus j'ai eu le temps de le gérer parce que j'ai dû le faire une trentaine de fois. Mais la commande réaction à la fin Ah oui c'est vrai, oui. Ça fait combien de temps qu'on filme? Ici on va devoir arrêter parce que je pense que la vidéo a dépassé un petit peu 40 minutes de vidéo à peu près. Donc là tu vas avoir une sauvegarde de toute façon, c'est pas un souci. Ah, de toute façon on a déjà sauvegardé donc pour changer je tuerai personne vu qu'on va se retrouver juste après hein. Donc salut à tous et à la prochaine qui doit arriver bientôt normalement si vous le regardez. Ouais on va l'enchaîner hein, j'imagine. Comme à chaque fois, même pas faire une transition directe. Attends, je viens de découvrir ça, je me mise tout le temps avec. Bon, donc je vais vous rappeler un peu où on est. Une petite fake de début de vidéo. Donc on vient de tuer le bras droit. Ah oui, d'accord, ok, ça va. Autant pour moi, oui, je croyais qu'on était un tout petit peu... Plus loin, plutôt. Plus loin, ouais. Et après, j'ai me suis acharné sur le vendeur. Oui, oui, exact. Je sais pas pourquoi, je pensais déjà qu'on était aux ruines, alors qu'on a d'abord quelque chose à faire avant. Ouais, comme tuer Salazar. Ah, non, mais les ruines, c'est avant Salazar, de toute façon. Mais... Ah, c'était plus loin. J'ai plus du tout à observer. Enfin, plus trop. J'ai pas pris le réveil, donc je vais prendre le réveil. Ouais, vas-y. Donc, ça sera un petit épisode juste pour montrer le stand de tir. Donc, comme à chaque fois, j'en ferai un ou deux. Puis après, je continuerai l'histoire. Ouh la chute. Ça commence bien. On va finir la. Ouais, la colonne C. On entend de très loin là. Je sais pas Bonjour à tous et à toutes, c'est Kilns pour un nouvel épisode, épisode 27 de Resident Evil 4 en compagnie toujours et encore de Super Beyond 10. 10. Voilà. Ça va ? Bonjour les gens. Bonsoir les gens. Bon, le soir. Et maintenant c'est toi qu'on entend loin. Je disais bonsoir les gens. J'ai un écho dans... Ouais, je te rappelle que c'est normal. D'accord. Ne t'en fais pas. Donc là, je vais faire.
Ok. Ouais, t'es toujours, c'est toujours NES, ça. Non, non. Bien sûr que si. Y a pas de jeu, y a pas de mini-jeu là où on est. Si. Non. On s'est arrêté juste devant le mini-jeu. Et on se trouve. Attends. Alors, petit rappel, si comme vous, comme Super Bignon, si dans la vidéo ce sera le cas. Non, non, c'est la triche. Bon. Ouais, donc on se retrouve une fois que j'aurai fini ceci. Re tout le monde. Ouais, je viens de le finir. Ouais. Je suis assez content de moi parce que je l'ai fait que en deux coups. Après la vidéo. Donc, ça fait un 3 coups. La rangée C rapporte donc 35 000. Hein, ouais. Aux états. J'ai pas très bien. C'est quand même bien. Welcome. 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 Bon. T'as fait le lobby, comme dire lui. D'ailleurs, il paraîtrait que c'est un infecté qui est dans le noir, les yeux rouges, le vendeur. Tu confirmes? Difficile de confirmer parce qu'on on n'en sait rien en fait. On ne sait vraiment pas qui il est. On n'a jamais su son identité. Pour moi, c'est un lapin blanc, quoi. C'est comme. Voilà, c'est un truc original pour acheter des armes en tant que personnage et vraiment une importance quelconque dans l'histoire. Donc là, je vous montre les différents trucs. Ok, voilà. Mais c'est ça qui est un peu dommage, c'est que comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, il y a pas beaucoup de boss. Voilà quoi. Tu vois, je suis très bien. Alors, je sais plus si. Non, j'ai déjà fait le tour. Donc on va avancer. Donc. On est dans les sous-sols. Oui. Tiens, on pourrait peut-être parler un petit peu des filles. Ouais, voilà, ouais, j'y allais venir. Donc, j'ai déjà fait paraître sur Facebook, mais depuis 3 semaines. En tout cas, ce que YouTube dit, Patrick, aujourd'hui, donc à mon avis, dans la semaine, j'ai atteint les 40% de vues féminins. Je voudrais vous remercier. Je sais pas d'où vous sortez, parce que en 3 semaines, 40 vues, ça représente 300 vues, alors que je suis encore qu'une petite chaîne. Donc, merci à vous. Hein. Ça fait toujours plaisir. Ouais, mais ça, c'est normal. Hein. J'ai même vu un qui a 1500 abonnés. Et ces vidéos sont vues quoi 200, 300 fois. Donc, le nombre d'abonnés que tu as pour le moment, c'est tout à fait c'est assez sympa d'avoir autant de vues déjà. Oui, non, ce que je veux dire, c'est tout simplement à propos des vues féminins, parce que 40%, alors franchement, c'est pas. Non, mais ça, c'est grâce à moi, c'est grâce à ma voix sensuelle. Ouais, voilà, tu les atterris. Si je dis un peu n'importe quoi. Très grave, voilà une shot. Et en plus de ça, ça l'a calmé. Lui là-bas, ne le tue pas maintenant parce que sinon, sinon, là, je t'entends. Je t'entends pratiquement plus, mais